je suis tombée là-dedans par hasard. C'est un sport vraiment génial. J'ai vu que c'était très physique, très dur, et c'est ça qui m'a plu. Ce qui me plaît, c'est l'esprit d'équipe et aussi l'adrénaline que ça procure. En fait, j'ai découvert une nouvelle discipline et puis c'est vrai qu'on devient assez accro parce que c'est vraiment fun comme sport, quoi. Vous pouvez interroger les membres un par un. Ils sont unanimes, le cheerleading les passionne. Ce sport est devenu, en quelques années, celui d'une grande famille à Souffolvayersheim. C'est un sport d'équipe, c'est vraiment, il y a une super ambiance, super esprit. On est à peu près 100 licenciés et on s'entend tous les uns les autres. Il y a une compétition, il y a une équipe qui se présente, bah, toutes les équipes sont derrière. Et on met toute la famille du cheer était derrière les seniors, sacrés champions de France, niveau 3. Portée, vrille, scorpion, scale et autres figures en l'air, les 17 seniors ont réalisé la meilleure chorégraphie et permis au club d'empocher son 3e sacre national. C'est un titre auquel on ne s'attendait pas, on a beaucoup travaillé toute l'année, mais on est fiers d'avoir récupéré ce titre. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Le tir à Souffle est parti de rien et pourtant, il est aujourd'hui l'un des meilleurs clubs de l'Hexagone. Au début, c'était essentiellement de la danse jusqu'à l'arrivée d'une coach américaine. D'année en année, on a évolué, on a pu s'investir, on est parti, on s'est formé sur les formations fédérales et on en est là aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. C'est un sport qui demande un dépassement de soi. C'est vraiment un réel sport d'équipe. En fait, je me suis vraiment pris au jeu. C'est un sport qui est vraiment très exigeant, qui est très physique. C'est intense. Ça fait 6 ans maintenant que j'en fais et je crois que j'ai jamais pratiqué un sport aussi longtemps. J'en suis devenue accro. Hein. Et ça risque de durer encore un peu, car les seniors 3 vont désormais rejoindre l'élite la saison prochaine. Un gros challenge pour le géant. Ça va être chaud, en tout cas on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes et on va essayer de se dépasser pour atteindre le niveau requis. Il va falloir s'entraîner, il va falloir donner à fond et encore plus que cette année. Je pense qu'on a les capacités et on va tout donner pour. Hein. On est qui ? Géant ! On est qui ? Géant ! On est qui ? Géant ! En 2019, un autre événement attend le club de Souffle. Une première participation au championnat du monde. Ce sera aux États-Unis, à Orlando.